monde, bon matin. Re-bienvenue sur ma chaîne, sinon bonjour si vous êtes nouveau. Aujourd'hui j'ai un vlog surprise pour vous. Parce que je vous ai pas demandé si vous voulez que je le vlog ou pas, je vais juste le faire. Puis je pense que c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens. Il est présentement... Attends une seconde. Il est présentement 8h35 et je m'apprête à quitter la maison pour aller à... Sherbrooke! En fait, je vais visiter mon appartement pour la toute première fois en personne. Ce qui me stresse, mais m'excite en même temps. Donc voilà, let's go! On a un petit 1h30 de route à faire. Mais écoute, vous savez pas à quel point je suis fébrile, là. Puis je voulais vous amener avec vous. Peut-être vous... Ceci étant dit, je pensais peut-être vous faire un petit apartment tour. Évidemment, empty parce qu'il y a rien. Et c'est ça! Ok, let's go! Je pense que je vais arrêter au Starbucks pour me chercher un café. On the go. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, allons-y. Ça va et toi? Un moyen café infusé à froid à la vanille, s'il vous plaît. J'ai jamais attendu aussi longtemps pour un café. Ça me fend les... Tout ce que j'ai à dire. Bonjour. Vous voulez la facture? Non, ça va aller, merci. Enfin. Super, merci beaucoup. Pareillement. Yes! Ok, donc, environ 2 heures plus tard, je suis enfin arrivée. La première qui est arrivée, j'attends mes colocs avant qu'on rentre, mais écoute, je suis comme stressée. On dirait, je sais pas pourquoi, mais je suis stressée. So, there we have it! On pensait que l'appartement allait être 100% fini, mais il y a encore des choses à faire, comme vous avez pu constater. On est vraiment contente de où est-ce que c'est situé. Je viens de faire le chemin de notre appart jusqu'à l'Uni, puis ça m'a pris 6 minutes en auto, fait que c'est vraiment parfait. Ça a l'air calme comme endroit, c'est super lumineux, ça va vraiment être beau, on est très contents de notre choix. Puis là, comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit tour rapide à l'Université de Sherbrooke, juste pour me commémorer. De quoi ça avait de l'air. Comme vous le savez probablement, j'ai joué au volley, puis la majorité, je sais pas pourquoi, mais l'Université de Sherbrooke hostait tellement de tournois. On était ici au moins 3 à 4 fois par année, donc le sens possible, je le connais super bien. Et j'ai même fait un camp de volley de une semaine à l'Université de Sherbrooke aussi, fait que je connais un peu le campus, mais ça m'a fait plaisir de juste revoir rapidement de quoi ça avait de l'air, mais voilà, je suis très contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement retourner à Montréal, j'ai vraiment envie de pipi parce que j'ai pas pissé depuis que je suis partie. Donc je vais arrêter de mettre de l'essence, faire un petit pipi, puis après ça je vais retourner à Montréal parce que j'ai la fête à mon ami à un parc, fait que let's get it! Hey, je suis tellement fébrile, j'ai tellement hâte! Puis là, dans 2 semaines, on va revenir pour récupérer nos clés d'appart, puis apparemment que tout va être fini rendu là, fait que super!